On a fait un film pour représenter qu'est-ce que les femmes avaient d'important comme dans la vie, parce que d'habitude c'est toujours les garçons, les hommes qui ont toujours l'avantage. Nous on a l'habitude de voir que dans les contes de fées, la princesse se fait toujours sauver par le prince, ou à la fin elle se marie toujours avec un prince charmant puis il vit toujours heureux. On a voulu montrer que c'était pas juste les gars qui étaient bons pour défendre les autres, mais qu'il y avait aussi les filles qui étaient capables d'aider les autres. Le héros, c'était pas un homme, comme c'était Kiana, c'était une femme qui a essayé, qui a aidé les autres personnes qui étaient avec elle. C'est elle la plus courageuse et qui sauve toutes les survivants. En plus, elle a pas tué les zombies. Elle les a aidés à redevenir sociables avec les humains et pouvoir parler. Kiana, c'est une femme autonome. Elle était intelligente parce que affronter des zombies, c'est pas facile. Puis ça fait changement aussi, genre dans les films de zombies, c'est que ce soit une fille. Puis moi, je trouve que c'est un bon résultat. On a fait des jeux au début pour savoir qu'est-ce qu'on pensait des femmes, le désavantage et tout ça. Puis on a regardé des magazines comme pour comparer les hommes et les femmes. L'image des femmes, c'est comme s'ils avaient toujours besoin de quelqu'un, ils devaient toujours se dépendre sur quelqu'un. Mais Kiana, elle a montré que les femmes sont aussi fortes que les hommes. Parce que normalement, partout dans le monde, genre par exemple des jeux vidéo, c'est comme dans Mario, c'est Mario qui va aller sauver la princesse, puis c'est jamais la princesse qui va aller sauver Mario. Ça se voit souvent à la télé que c'est l'homme qui sauve des personnes et non la femme. Puis là, ça avance comme ça. Puis c'est pas vraiment juste pour les femmes. Peut-être parce qu'on a on voit pas les femmes de la même manière qui sont vraiment. Enfin, il y a une vidéo ou un petit sketch où la femme est un héros et ça leur donne espoir, ça leur donne le goût de vivre, quoi.